je m'appelle Rémi Aguillon, je suis en master de première année donc de DSCG en alternance. Bonjour, je m'appelle Maxime Coa, je suis en filière de DSCG et en alternance. J'ai commencé par un bac S, à partir de là je suis allé à l'INSA, donc c'est une école d'ingénieurs. Mon frère était en DSCG ici en première année et il m'a montré les cours qu'il faisait, je trouvais la compta intéressante pour mieux comprendre l'entreprise. Et à partir de là, je suis venu aux journées portes ouvertes pour rentrer en DCG et ça m'a plu. Et à partir de là, je suis resté. Alors, l'alternance, ça permet déjà d'avoir un petit salaire, donc qui n'est pas négligeable quand on sort quand même de 3 ans d'études. Et puis, ça permet aussi d'avoir une expérience professionnelle qui est quand même beaucoup plus reconnue sur le marché du travail qu'un simple diplôme. Alors, je suis alternant dans un laboratoire pharmaceutique en tant que contrôleur de gestion. Je suis le budget, l'activité, la production, les différents aspects, les demandes d'achat. Enfin, c'est très vaste, mais en même temps, c'est toujours autour du milieu industriel. Moi, c'est ce qui me plaisait, c'est pour ça que je suis allé là-dedans. Et aujourd'hui, je suis très content, je ne regrette pas mon choix. Donc moi je suis alternant chez le cabinet Mazars et donc j'ai une mission un peu particulière, c'est que je ne travaille que pour un seul client. Donc je ne travaille pas du tout au cabinet mais directement chez le client. Et donc on gère toute la partie comptabilité, donc fournisseurs et clients. Et on fait aussi toutes les opérations du reporting auprès de la maison mère qui se situe à l'international. Je donnerais comme conseil que c'est un diplôme qui est exigeant. Après, comme tout le temps dans la vie, il faut savoir faire l'équilibre entre la vie perso et la vie pro. Et vraiment, le conseil, c'est de bien comprendre et ne pas que apprendre. Parce qu'en comprenant, ça nous évite d'apprendre machinalement et d'avoir une quantité de travail, surtout à terme, parce qu'on a tendance à oublier ce qu'on a fait en début d'année et il faut réapprendre. Alors que recomprendre, c'est pas possible. Une fois qu'on a compris une fois, ça reste. Je pense que c'est le conseil le plus important.